Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'American Trip. Aujourd'hui, j'ai profité d'être dans le désert de Mojave au-dessus de Los Angeles pour faire un arrêt chez Jane Whitfield. Tous les amoureux du custom connaissent ce nom, c'est un pape dans le custom. Alors c'est vraiment un honneur de m'arrêter ici. On est en plein milieu du désert, c'est génial. Jane Whitfield n'est pas là aujourd'hui. C'est dommage, j'aurais bien aimé le revoir et le voir surtout chez lui. Mais c'est pas grave, il y a Jimmy qui est là et qui va nous faire une petite visite personnalisée du shop. Et vous allez en prendre plein les yeux, c'est énorme. Bah déjà rien qu'ici là, on n'est pas encore rentré dans le shop à proprement dit. Mais il y a des bagnoles de dingue que vous avez sûrement pu voir dans des films. Dans celle-là, dans Robocop. Et la voiture de police de Retour vers le futur. Le sous-marin de Triple X. Connaissez pas encore Jane Whitfield? Alors pour faire court, c'est un des plus grands customiseurs de tous les temps. Que vous vouliez une voiture de cinéma ou un gros Let's LED, rien ne lui fait peur. En plus, il est incroyablement gentil. Et malgré qu'il ait plus de 90 ans, il fait encore des top shops sur des voitures dans le monde entier. Alors autant vous dire que faire un tour dans son atelier est pour moi un grand honneur. Surtout lorsque j'y découvre quelques-unes de ses plus grandes réalisations, comme la fameuse Jade Idol. Mercury de 1956, un des premiers custom que Jane a construit en 1959 et 1960. Elle est totalement modifiée. Par exemple, les entourages de phares ont été fabriqués à partir d'enjoliveurs de Chrysler Imperial 1959. Les pare-chocs, quant à eux, proviennent d'une Porsche 356 et les ailes arrière de Chrysler 1959. C'est à l'origine la deuxième voiture à avoir eu droit au Blind Date Fade Paint Job, ce dégradé de couleur propre à Jane Whitfield. La caisse n'a pas subi de top shop, par contre elle a été sectionnée de 4 pouces, ce qui lui donne cette superbe ligne bien élancée. Après avoir été vendu, ce célèbre custom est resté stocké pendant 35 ans dans l'état du Massachusetts. Puis il est revenu entre les mains de son propriétaire et a été repeint récemment aux couleurs d'origine. On a du mal à croire que c'est une Mercury. Là, c'est une cheville 1954 qu'un client australien lui a ramené. Il a fait la plupart du boulot du châssis et il l'a amené pour faire le toit. Ce qui surprend le plus, bien entendu, c'est ce toit qui provient d'une Oldsmobile 1957 et a été top-shoppé et modifié pour s'adapter sur la cheville 54. À l'intérieur, on y trouve un tableau de bord de cheville 55 et bien entendu une conduite à droite vu que c'est un véhicule australien. Et les entourages de phares ont été modifiés pour obtenir un style de cheville 55. C'est vraiment du gros custom. Regardez cette Mercury de 1951. Celle-là est top shoppée, la caisse est posée sur des suspensions et rails. Cette peinture a un mélange de bronze cuivre, c'est vraiment magnifique. Et sous le capot, on trouve un moteur Chevrolet 350 cubic inch avec une climatisation moderne, le top pour cruiser en toute fiabilité. Je sais pas vous, mais moi il me tarde de l'avoir terminé. Encore une Merc en cours de top shop. Et j'ai le plaisir de visiter l'ancienne maison de Jane Whitfield qu'il a transformée en musée. Génial.
là, grande surprise pour moi, derrière une porte coulissante, une pièce dédiée à l'univers du cinéma, avec des morceaux des vaisseaux qui ont servi au tournage de la série Star Trek, nous voilà à l'intérieur du Galileo. Car vous ne le saviez peut-être pas, mais Gene Winfield est à l'origine de plusieurs véhicules de la série Star Trek. Il y a des objets en tout genre, des livres, des posters, et cet énorme panneau de contrôle du Shuttlecraft, et il y a même le fauteuil du Capitaine Kirk. C'est vraiment un endroit incroyable. Cette voiture en plein milieu du salon, c'est la Stripstar, construite à la main par Gene Winfield en 1963 sur un châssis de Ford 1946. Ce bolide est propulsé par un V8 Ford 427 cubic inch, soit quasiment 8 litres de cylindrée, et pour une puissance de 425 chevaux. Ce flipper, c'est un ami français de Gene qui l'a construit. Ça vous dit quelque chose? C'est un des tabourets de l'émission Monster Garage que Gene a sauvé du grand destructeur Jesse James. Et c'est pas fini, on va aller faire un petit tour dans son junkyard personnel. Attention! Oh, regardez cette merque. Elle mériterait d'être restaurée celle-là. Thunderbird dans un conteneur. Même une Edsel Ranger et une Jaguar, deux Jaguars. C'est chaud, ouais. Tout simplement gigantesque. À mon avis, il y a même pas la moitié de ces voitures qui sont là qui lui serviront un jour. Mais c'est chouette. Ah, il y a même une Imperial Le Baron de 1959 ou 60, je connais pas trop ces modèles, vous me le direz. C'est super rare en tout cas. Je pourrais rester des heures là-dedans à observer les bagnoles, mais il faut que je reprenne la route.
Alors voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Dites-moi si certains d'entre vous étaient déjà venus ici, si vous avez rencontré Gene Winfield. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, dans un prochain épisode d'American Trip. D'ici là, portez-vous bien, commentez, aimez la vidéo. À bientôt !